Un souvenir émouvant. Actrice au succès qui ne faiblit pas depuis les années 1990, abonnée aux comédies comme aux rôles plus dramatiques, Julia Roberts figure parmi les stars hollywoodiennes dignes de ce nom, dont la vie personnelle a autant fait parler au fil des années que ses choix artistiques. Mais si sa vie amoureuse a longtemps défrayé la chronique, la tension s'est calmée lorsqu'elle a épousé en 2002 le directeur de la photographie américain, Daniel Modder. Avec lui, elle a ainsi eu trois enfants, deux faux jumeaux en 2004, ainsi qu'un fils, Henri, né en 2007. Mais si estime bien à ses aînés qu'elle a adressé un tendre message, dimanche 28 novembre. À l'occasion des 17 ans de Hazel Patricia et Phineas Finn Walter, Julia Roberts a en effet partagé une adorable photo souvenir de ses jumeaux quelques jours après leur naissance. 17 des années les plus douces de la vie, a-t-elle ainsi écrit, tandis qu'on la voit, portant contre elle ses deux enfants. Un cliché souvenir qui n'a pas manqué d'attendrir les fans de l'actrice oscarisée, dont sa nièce Emma Roberts, qui a commenté avec trois cœurs, elle qui célébrera en décembre prochain le premier anniversaire de son fils, Rod. Où Julia Roberts a-t-elle rencontré son mari? Très discrète à propos de sa vie privée, notamment lorsqu'il s'agit de ses enfants, Julia Roberts ne manque toutefois jamais de partager sur les réseaux sociaux des clichés de son mari, comme pour célébrer leur anniversaire de mariage. Ainsi, en juillet dernier, elle avait dévoilé une photo pour fêter leurs 19 ans d'amour, eux qui se sont rencontrés en 2001 sur le tournage de Le Mexicain, dans lequel Julia Roberts donne la réplique à Brad Pitt. 19 ans. Et ce n'est que le début, avait-elle ainsi écrit en légende, elle qui a été fiancée plus jeune à Kiefer Sutherland. Loading DJ.